Le RDB se lance dans la bataille des sénatoriales. De Bamfora, le Rassemblement pour le développement du Burkina a donné sa lecture du processus politique en cours. Et puis le Fonds national de recherche et de l'innovation pour le développement signe les premiers chèques pour les projets de recherche retenus à la suite de son appel à projets. Les lauréats empochent une enveloppe de plus de 250 millions de francs CFA pour mettre en œuvre leurs projets de recherche et d'innovation. Madame, Monsieur, bienvenue aux actualités sur la RTB. Tout d'abord, un mercredi ordinaire à Kossiam où s'est tenu l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le gouvernement décide à l'issue du Conseil de la création de l'identifiant du citoyen à l'état civil et la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Le Conseil a également accordé un permis d'exploitation industrielle d'une mine d'or à Sekenega dans le Yatenga. Et en communication orale, le ministre Alain-Edouard Traoré a fait une annonce sur la célébration du cinquantenaire de la télévision à Gawa. Un aperçu des grandes décisions du Conseil dans ce compte-rendu de Karim Namono. Dégradation et perte des actes d'état civil, fraude et falsification diverses, voici le triste constat fait dans certains centres d'établissement des actes d'état civil. Le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité en est conscient. Pour éviter les fraudes et les falsifications diverses, il sera créé l'identifiant du citoyen à l'état civil. Il s'agit de créer un dispositif consistant à attribuer un numéro unique à chacun. Donc sur chaque acte de naissance, vous aurez un identifiant qui va vous servir pour établir tous les autres documents, passeport, carte nationale d'identité et même carte d'électeur plus tard lorsque le système sera bien au point. Une opération sera conjointement lancée pour numériser les anciens actes d'état civil afin de leur attribuer un numéro d'identification. Les systèmes d'informatisation des centres d'état civil, tout comme ceux des banques, des grandes sociétés, pour ne citer que ceux-là, auront aussi besoin d'être sécurisés. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information sera créée à cette fin. Il y a des risques actuellement d'intrusion dans les systèmes informatiques d'un certain nombre d'infrastructures critiques, et des banques, des sociétés stratégiques. Et c'est cette structure-là qui va donc lutter contre ces cybermenaces-là et prévenir les attaques et bien entendu pouvoir réagir s'il le faut. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pourrait contribuer à sécuriser les futures installations informatiques de la société Kalsaka Mining qui a désormais le feu vert du gouvernement pour exploiter industriellement la mine d'or de Sekenega dans le Yatenga. Ce permis d'exploiter permet à la société de rebondir en donc faisant une mine industrielle à Sekenega. Cela va permettre donc de produire environ 166 000 onces. L'investissement va coûter 6,5 milliards et les retombées au niveau du trésor public sont de l'ordre de, j'allais dire, 12 milliards de francs CFA. Et cela aussi va permettre donc de sauvegarder au moins 589 emplois sur une période de 2 ans. Kalsaka Mining pourrait faire partie des sponsors du cinquantenaire de la RTB Télévision. L'événement sera placé sous le haut patronage du président du FASO. Le président du FASO, son excellence, et M. Blaise Compaoré a accepté le patronage de cette commémoration. Et nous avons présenté au Conseil une série d'activités entrant dans le cadre de cette commémoration dont le clou va avoir lieu le 5 août 2013. Les activités de célébration du cinquantenaire de la RTB Télévision consisteront à la pose de la première pierre du futur siège de la RTB, à la création de la station d'émission de la RTB de Sud-Ouest, au lancement d'un sondage d'opinion, à des conférences et à des hommages aux hommes de médias. Parlons politique. À présent, le Rassemblement pour le développement du Burkina, RDB, se prépare pour les élections sénatoriales. Le temps du pour ou contre le Sénat et le bicamérisme est révolu. Et ce parti de la mouvance va résolument à la pêche des sénateurs dans les urnes. Les responsables du parti ont donné ce mardi 2 juillet leur lecture du processus politique au Burkina. Sanouan Christine Koulibaly. C'est une minute de silence en la mémoire de Mamadou Niangban Kone, celui-là même qui a œuvré à l'implantation du RDB, le Rassemblement pour le développement du Burkina dans les cascades, qui a donné le ton à ces moments d'échange.
Échange entre les responsables du parti et les hommes de médias sur les prochaines consultations sénatoriales. Pour Seydou Célestin Compaoré, cette deuxième chambre du Parlement, loin de faire doublon avec l'Assemblée nationale, permettra de dépassionner les débats et de rendre les lois plus consensuelles et moins partisanes. La mise en place du Sénat va permettre d'améliorer le processus d'ancrage de notre jeune démocratie. La mise en œuvre d'une volonté populaire issue des travaux du CCP, de mettre fin au monopole des partis politiques dans les actions législatives. Et de voter des lois plus acceptables par une grande majorité de la population. Pour toutes ces raisons, le RDV, qui a souscrit depuis 1992 à accompagner le président Blaise Compaoré, ne saurait se démarquer de participer à la mise en place du Sénat. Pour le RDB, parti de la mouvance présidentielle, l'heure n'est donc plus au débat sur le pour ou le contre du Sénat, mais plutôt d'aller aux élections avec des ambitions clairement définies. Vous savez très bien que ici, nous sommes très bien implantés. Nous avons pour ambition de briguer les 3 sièges du Sénat. Seydou Célestin Compaoré est donc venu exhorter ses militants et ses 64 conseillers de la région à soutenir les candidats qui seront désignés pour les élections sénatoriales du 28 juillet prochain. En attendant l'élection et l'installation des sénateurs, ce sont les PCR qui prennent service à la tête des régions. Dans le Sahel, Abdoulaye Sawadougou a été investi comme président du conseil régional. Son premier défi, la valorisation du capital humain. Mathias Drabo et Nyarkite Dao ont assisté à son installation. Grande mobilisation à Dori ce samedi 22 juin. Les Sahéliens n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont venus des 4 provinces qui comptent la région du Sahel pour vivre les temps forts de l'installation du président du conseil régional. Abdoulaye Sawadougo, investi officiellement dans ses fonctions par le gouverneur, mesure déjà l'immensité de la tâche qui l'attend. Les priorités sont nombreuses, mais le président du conseil régional du Sahel ira à l'essentiel. Il y a le problème d'eau qui s'oppose crucialement. Nous allons premièrement nous attaquer à ça. Et puis il y a le taux d'exploitation qui est tellement bas. Donc tout ça, nous allons en tout cas voir avec les différents partenaires, voir comment nous allons procéder à des concertations pour pouvoir améliorer et des sensibilisations. C'est une très bonne chose pour nous. Nous avons déjà un gouverneur et le président du conseil régional va nous aider certainement à résoudre les problèmes d'eau et de pâturage que nous connaissons. C'est ce que nous attendons vraiment de lui. La bonne gouvernance est un élément cher au président du conseil régional qui entend contribuer à outiller les élus locaux pour leur permettre d'être en phase avec les instruments juridiques consacrés à la gestion des communes. La concertation avec l'ensemble des acteurs de la région figure en bonne place dans l'agenda de l'équipe dirigeante du conseil régional du Sahel à qui il est recommandé la valorisation du capital humain. Et ce capital humain, il existe. Souvent, je pense que c'est parfois à tort que l'on pense que le Sahel est dénué de tout. Bien au contraire, il y a des richesses. Il appartiendra donc à ce conseil de voir quelles sont les potentialités de la région, quelles sont les contraintes pour véritablement réussir leur programme régional de développement. À la cérémonie d'installation, les intervenants ont invité les populations à la cohésion, à l'entente et à la tolérance pour un développement harmonieux dans la paix de la région du Sahel avec ses 4 provinces, le Soum, le Seno, le Yaga et l'Oudalan. Pendant ce temps, le ministre en charge de l'aménagement du territoire et de la décentralisation fait le tour des communes pour vérifier l'effectivité de la mise en place des commissions foncières et de conciliation villageoise. Cette mission entre dans le cadre du programme de sécurisation foncière de l'État. Le reportage de Amadou Lougué. Le programme de sécurisation foncière de l'État soutenu par le Millennium Challenge et Compte vient de parachever sa dernière phase de mise en place des commissions foncières et de conciliation villageoise dans les communes de Sidiradougou, Niangoloko et Tousiana. Notre phase à nous en tant que ministère de la décentralisation, c'est de faire en sorte qu'au nom du gouvernement, chacune de nos communes et chacun de nos villages mette en place les services de foncier rural et la commission foncière villageoise et la commission de conciliation. C'est Kotou, un village de Sidiradougou qui enregistre un fort taux de conflits fonciers dans la zone. Le ministre Toussaint Abel Koulibaly a assisté à la mise en place des commissions foncières et de conciliation villageoise.
Il a saisi l'occasion pour exhorter les membres à bien remplir leur mission qui consiste à une gestion concertée des conflits liés au foncier rural. À Sidera-Dougou, le ministre en charge de l'aménagement du territoire a eu des échanges directs avec les membres des différentes commissions foncières. Les préoccupations ont été, entre autres, les conflits intervillageois, la gestion interne des crises au sein même des commissions foncières villageoises, la formation, les attributions et le rôle des commissions dans la prévention et la résolution des conflits fonciers. La CRV qui est mise en place va aider les propriétaires terrains à avoir vraiment un document, un papier pour leur terre. Maintenant, tu es vraiment propriétaire. Voilà, c'est comme si tu as l'acte de naissance même de ton, ta parcelle, de ton champ ou bien de ton lopin de terre. Quoi. Après Sidera-Dougou, cap a été mis sur Niangoloko. Ici, le ministre Koulibaly a eu des entretiens directs avec les membres des commissions villageoises. Après Niangoloko, c'est Tushiana qui a accueilli le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Les échanges ont porté sur l'occupation des terres qui connaît une très forte pression. Nous pouvons donc dire que c'est un bilan tout à fait satisfaisant. Et surtout, d'une part, pour avoir joué notre partition quant à l'exécution du MCA et d'autre part, par l'approche que nous avons eue avec les populations pour requérir d'autres difficultés qui ne sont pas forcément liées à la mise en place de ces commissions et d'avoir pu apporter les réponses appropriées. La sécurisation foncière est un défi à relever pour réussir une cohésion sociale durable au Burkina Faso. Le ministre de l'Économie et des Finances et le chef de la délégation de l'Union européenne lancent la deuxième phase du 11e Fonds européen de développement au Burkina. Ce projet est un accord de Cotonou qui vise à réduire la pauvreté dans les pays ACP et permettre leur intégration dans l'économie mondiale. Ce 11e FED va concerner trois domaines que sont la santé, la bonne gouvernance, l'agriculture durable, l'eau et la sécurité alimentaire. Des précisions avec Frédéric Étienne Bassenga. L'Union européenne et le gouvernement burkinabé lancent la deuxième phase du 11e Fonds européen de développement FED. Pour cette étape qui va de 2014 à 2020, trois domaines de concentration sont concernés. Le premier domaine va prendre en compte la bonne gouvernance, la santé sera le deuxième domaine, et le troisième, qui est le plus gros, sera constitué de l'agriculture durable, de l'eau et de la sécurité alimentaire. Nous étions déjà présents dans un certain nombre de secteurs, des secteurs qui fonctionnent à notre avis relativement bien et donc qui méritaient que l'Union européenne continue à appuyer le gouvernement du Burkina et la population du Burkina dans ces secteurs. C'est le cas notamment de la santé. Le Burkina est un pays qui accorde un pourcentage assez important de son budget à la santé et donc nous voulons vraiment l'encourager dans ce domaine-là. Cette étape qui va consister à identifier le contenu de ces trois domaines de concentration connaîtra plusieurs phases. Une concertation avec la société civile, une analyse des valeurs et la rédaction du projet suivi de son envoi au siège de l'Union européenne en octobre prochain. Mais déjà, côté burkinabé, on est satisfait de ce 11e FED qui démarre sous de bons auspices. Nous avons la preuve, la qualité du partenariat que nous avons avec l'Union européenne. Parce que dans un contexte, comme vous l'avez décrit, de crise, la question de l'aide pour le développement, c'est une question qui est en pointillé. Que dans ce contexte-là, on ait en perspective qu'il y ait un nouveau programme, le 11e FED, ça ne peut que nous réjouir. Et pour le Burkina, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans les perspectives d'allocation de ces ressources, les secteurs qui ont été retenus sont vraiment les secteurs qui sont nos priorités aujourd'hui. L'enveloppe globale de ce 11e FED pour les 78 pays ACP est de 31,5 milliards d'euros, une augmentation de près d'une dizaine de milliards par rapport au 10e. Le Burkina Faso devrait connaître la somme qui lui est allouée pour ces trois domaines en fin juillet 2013, date à laquelle les 31,5 milliards seront répartis entre les 78 pays.
L'ONEA doit faire face à une demande sans cesse croissante et exigeante des populations. L'Office national de l'eau et de l'assainissement s'est doté pour se faire d'un plan stratégique couvrant la période 2007-2015. La cadence de mise en œuvre des activités inscrites donne satisfaction au comité de supervision qui faisait le bilan cette semaine. Reportage de C. Sylvestre Dan qui nous donne de plus amples détails. Face à la presse, les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA ont présenté le bilan de l'année 2012 en matière de production et de taux de desserte. Ils ont aussi fait le point de la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015 de l'ONEA. Il ressort de ce plan réalisé par le comité de supervision des activités de l'ONEA que tous les voyants sont ouverts dans le secteur de l'eau potable. Par contre, en matière d'assainissement, les objectifs du millénaire pour le développement ne pourront pas être atteints. Le défi majeur que l'ONEA doit relever aujourd'hui reste de fournir l'eau potable en quantité et en qualité et un assainissement eau usée et excréta adéquat au plus grand nombre de Burkinabés de nos villes, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons un certain nombre de centres déficitaires où des actions sont en train d'être menées pour satisfaire la demande. Une autre difficulté que nous rencontrons, c'est la question de l'accès à l'assainissement. Comme nous avons dit, nous n'allons pas à ce niveau atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et à côté de ça, nous avons des clients. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les clients ne sont pas toujours satisfaits du service que nous leur offrons. Les défis qui se présentent à l'ONEA en termes de mobilisation des financements, des ressources en eau et de changement de comportement sont énormes. En effet, les villes s'accroissent et les populations avec. Des populations qui sont de plus en plus exigeantes en matière de besoins en eau potable et d'assainissement. C'est ce qui explique l'anticipation de nos actions pour renforcer les systèmes existants et en créer de nouveaux. C'est le cas notamment de la préparation de la phase 2 du projet ZIGA, initialement prévu pour 2015, mais dont les travaux doivent démarrer dès 2014. Il en est de même pour l'approvisionnement en eau potable des villes de Waiwia, Puitenga, Kupela, Gorom, dont la faiblesse des ressources en eau souterraine actuellement utilisées pour les approvisionner nous a conduit à définir un programme d'alimentation en eau de ces quatre villes à partir de l'eau de surface. À ce point de presse, il était également question des innovations de l'ONEA. Des contrats de prestation de services avec des opérateurs privés de la place permettent désormais de payer les factures d'eau par téléphone. Une solution qui vise à faciliter le processus de paiement des factures et surtout à améliorer la satisfaction des clients. Le Fonds national de recherche et de l'innovation pour le développement FONRID signe ses premiers chèques pour la réalisation de projets. Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un appel à projets. Ce sont au total 250 millions de francs CFA qui sont mis à la disposition de chercheurs et d'innovateurs pour mettre au point des solutions sur des problématiques de développement. Estelle Judith Assorba. Les deux appels à projets lancés par le Fonds national de recherche et de l'innovation pour le développement ont donné leurs résultats. Ce sont au total 85 dossiers qui ont été reçus et après évaluation, 9 projets ont été approuvés pour financement. Les critères, c'est des projets qui doivent se dérouler sur une durée maximale de 3 ans et le montant du budget maximum est de 30 millions. Entre autres critères, il faut forcément un consortium de 3 instituts partenaires de recherche pour favoriser la synergie, une meilleure intégration des équipes de recherche. Ces 9 lauréats reçoivent ainsi leur chèque d'une valeur comprise entre 22 et 30 millions de francs CFA. Cette remise symbolique traduit la volonté du gouvernement burkinabé à accompagner les promoteurs dans leurs activités de recherche. Le montant alloué à chaque projet est relativement modeste, mais c'est aussi porteur des moyens de notre pays. Du reste, nous pensons que ce n'est pas la taille du budget qui conditionne le succès du projet. C'est plutôt l'engagement des promoteurs de projets qui est le premier facteur de succès des projets. Les projets approuvés pour financement concernent 5 domaines, l'agriculture, la santé, l'exploitation minière, la foresterie et l'énergie. Ce projet, nous l'avons soumis donc à financement pour tenter de résoudre le problème de la consommation de l'énergie dans les bâtiments. Notre objectif est d'abord de quantifier ce qu'on appelle les négawatts. Les négawatts, ce sont les négawatts perdus
et tenter donc de les économiser. Le projet, il s'agit de démontrer l'efficacité et la tolérance d'un phytomédicament appelé le SAI, qui est déjà vendu en pharmacie pour essayer de montrer et son efficacité dans le traitement du paludisme. Pour permettre une gestion rationnelle des fonds alloués, une équipe de suivi-évaluation a été mise en place. Les promoteurs des projets doivent fournir périodiquement des rapports. Et nous avons une structure qui va suivre. À partir des rapports, il y aura des visites de terrain, n'est-ce pas, pour voir réellement comment les projets avancent. Ce fonds est ouvert à toute structure nationale œuvrant dans le domaine de la recherche et de l'innovation, avec pour seule condition le respect des critères exigés. L'insertion socio-professionnelle des jeunes agriculteurs modernes, Félicité Sorgho s'est intéressée au sujet. Elle a consacré sa thèse de doctorat à ce thème de recherche qui l'a conduite à faire un diagnostic sur les politiques agricoles du Burkina et à s'interroger sur la portée des centres de promotion rurale qui forment les jeunes agriculteurs. Ses résultats de recherche ont été présentés le 26 juin dernier à l'Université de Ouagadougou, Moussa Ki et Nyarkiteda. Elle est désormais spécialiste en agriculture au Burkina Faso. C'est à travers une vidéoconférence que Félicité Sorgho a présenté sa thèse de doctorat sur le sujet « L'insertion socio-professionnelle des jeunes agriculteurs du Centre de promotion rurale de Goundi ». Face à ces jurys composés principalement de professeurs d'université de Montréal au Québec, l'impétrante a expliqué la situation des jeunes agriculteurs. Un sentiment de satisfaction, de grande joie. Parce que vous savez, la thèse, elle ne se fait pas en quelques deux, trois ans. Ça fait quand même depuis des années que je suis là-dessus. Et surtout une thèse à Montréal, à l'Université de Montréal, ben, ça prend du temps, au moins 5 ans. Donc au bout de 5 ans, lorsqu'on arrive à ce résultat, on ne peut qu'être satisfait et puis... enchanté. Cette présentation a été une occasion pour relever les problèmes qui mènent l'activité agricole au Burkina. Il s'agit entre autres du manque d'idées d'entrepreneuriat, de moyens techniques de production et de manque de pluie. Face à ces préoccupations, le jury est resté unanime que l'autonomisation des producteurs céréaliers passe nécessairement par la modernisation des moyens de production. À Koudougou, des magistrats, des greffiers, des conseillers, des archivistes de la Cour des comptes étaient à l'école du budget programme, un mode de gestion axé sur les résultats. Dans un contexte où les ressources se font rares, il faut compter avec les bonnes pratiques de gestion et de planification pour assurer une meilleure gestion des ressources. Momoni Soubeiga. Les concepts de la gestion axée sur les résultats, le budget programme et l'audit de la performance, c'est le menu de cette formation dédiée au personnel de la Cour des comptes, la juridiction supérieure du contrôle des finances publiques appelée à se conformer au budget programme. Bien que les autorités aient pensé à nous former sur cette nouvelle manière de gérer les finances publiques, et surtout pour nous qui sommes à la Cour des comptes, ça nous permet également de nous préparer pour les contrôles futurs. Janvier 2017 devrait connaître l'aboutissement du processus au Burkina comme dans tous les autres pays membres de l'UEMOA. D'où cette formation assurée par le secrétariat technique du budget programme, l'École nationale des régies financières et le FMI. C'est apprécier cette collaboration étroite qu'il y a eu dans la tenue de cette activité. Toute la chaîne de la gestion axée sur les résultats existe déjà au niveau du Burkina. Mais là où il y a peut-être des insuffisances, c'est au niveau de l'étape reddition des comptes. Et c'est de cela que la Cour des comptes s'occupe et en partie également l'Assemblée nationale. Donc c'est une étape essentielle, c'est un déclencheur même du succès des étapes précédentes. Cour des comptes, en tant que juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, sommes chargés justement d'exécuter cette partie contrôle externe. C'est pourquoi, pour nous préparer, nous permettra de faire la différence entre le contrôle actuel que nous faisons, qui est un contrôle de budget objet, par rapport au contrôle à venir dans les 3 ou 4 prochaines années. Avec cette formation, la Cour des comptes pourra s'adapter au nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Question d'améliorer l'efficacité de l'action publique et instaurer la transparence dans la gestion des deniers publics.
Les enquêtes de police judiciaire doivent tenir compte des cas particuliers des femmes et des mineurs. Ce sont des personnes vulnérables pour lesquelles il faut avoir des approches spécifiques. C'est la conviction de l'UNICEF qui, en partenariat avec l'administration territoriale et la sécurité, partage des expériences d'acteurs en matière de protection des personnes vulnérables. Le reportage de Moumouni Barou. De plus en plus, des femmes et des mineurs sont l'objet de privations de liberté au mépris des conventions et de la législation en vigueur. Au regard de ces constats, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité veut réparer cette injustice en organisant ce présent séminaire qui va durer 3 jours pour renforcer les capacités des officiers et agents de police judiciaire sur les techniques d'enquête applicables aux femmes et aux mineurs. Depuis 2009... avec la création des brigades régionales de protection de l'enfance, le ministère a toujours initié ce type de formation. Bon, cette formation a pour objectif, dans un premier temps, de permettre aux enquêteurs, qui sont les officiers de police et les agents de police judiciaire, de s'approprier des tests et règlements en matière de droit et en matière de droits de protection de l'enfance, aussi de les outiller sur les méthodes et techniques d'enquête applicables aux femmes et aux mineurs. Outre les mesures législatives, la formation sera axée sur les droits administratifs et judiciaires pour prévenir les actes de torture. Il y aura essentiellement 2 modules. Maintenant, à l'intérieur de chaque module, il s'agira d'aborder quelques actes de procédure, notamment les techniques d'audition, la garde à vue, les techniques de perquisition. À l'issue de cette session de formation, les 60 participants devraient avoir des rudiments nécessaires pour un meilleur respect des droits des personnes vulnérables au cours des missions de police judiciaire. Ils devraient également bénéficier d'une meilleure appropriation des textes et une prise de conscience plus vive en matière de protection des droits humains. Il faut également maîtriser l'analyse et la couverture des risques et la protection civile. En cas de crise et autres catastrophes, il faut pouvoir identifier des pistes et schémas pour pouvoir répondre avec efficacité aux besoins de protection civile. L'ambassade de France prépare des professionnels burkinabés à maîtriser ces techniques. Wendata Nathalie Kawori. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux services de protection civile débuté en 2012 et qui vise à améliorer les capacités des services d'urgence et de secours en Afrique subsaharienne. Elle est assurée par des experts français intervenant dans les domaines de la sécurité civile et de la gestion des crises et catastrophes. On va les initier à rédiger des schémas d'analyse des risques pour leurs pays respectifs et ils vont devoir prendre en compte tout ce qui est infrastructure routière, industrielle, schéma d'urbanisme, pour en faire, dessiner, je veux dire, tous les risques majeurs qui peuvent se produire et quels sont quels seront les intervenants dans une crise qui pourrait se produire à travers un accident industriel, voire climatique. Cette session s'adresse aux représentants des directions générales de protection civile et aux corps de sapeurs-pompiers de 9 pays africains. Vous avez en mémoire les inondations du 1er septembre 2009 qui ont fait en tout cas d'énormes dégâts. Et à l'heure actuelle, le Burkina Faso en tout cas est plein de sites aurifères. Ces sites ne sont pas sans risque et nous avons besoin donc autant de formation, autant de connaissances, autant de dispositifs pour effectivement prémunir, préparer les hommes pour la gestion donc des catastrophes, pour la réponse idoine en cas de catastrophe. Cet exercice-là, d'analyser les risques qui se posent dans les différents pays, même si nos pays sont à peu près similaires, ça va nous permettre d'avoir une politique de sécurité civile assez et si efficiente, parce qu'elle a été étudiée. De retour dans leurs pays respectifs, les bénéficiaires de la formation devront élaborer des projets qui définissent clairement les moyens techniques, matériels et humains nécessaires pour assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens en cas de catastrophe. Des dates pour bien entamer le carême musulman qui commence bientôt. C'est devenu un acte traditionnel de solidarité qu'exprime chaque année le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette année encore, c'est 100 tonnes de dattes qui sont mises à la disposition des populations vulnérables. Reportage Abdul Rasmane Zongo.
C'est un geste, une remise sobre, symbolique, mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. Un nouvel an de carême musulman, un nouvel élan de solidarité saoudienne, cela dure depuis 2006. Un des grands questionnements de la rupture du jeûne au coucher du soleil qui perturbe encore le sommeil de beaucoup de nécessiteux, eh bien cette question spirituelle et alimentaire trouve ici un début de résolution intéressant. Pour une valeur de 100 millions de nos francs, 100 tonnes de dattes emmagasinées ici au CONASU, assure le donateur et rassure le porte-parole officiel des bénéficiaires, seront distribuées aux populations vulnérables à moins de 7 jours de l'accomplissement du 4e pilier de l'islam, le jeûne 2013. Chaque année, l'Arabie Saoudite a l'habitude d'octroyer Burkina Faso 100 tonnes de dattes. Donc, c'est dans la vie dans ce cadre-là. Donc, ils souhaiteraient aussi que cette coopération renforce de l'année en l'année. Ces dattes-là sont utilisées pendant les mois de Ramadan. Face à ce don qui contribuera à agrémenter l'école spirituelle d'un mois des populations vivant dans la précarité, l'on manifeste une attitude de gratitude. Ce qu'il faut saluer, c'est le caractère pérenne de ces gens de gestes. C'est constant depuis des années. Ils sont à nos côtés, ils nous soutiennent à des périodes difficiles. Je voudrais simplement redire en votre nom à tous, merci à ceux-là qui, après avoir fait un travail important, des efforts fournis au plan national, ont le courage de dire qu'il faut aider d'autres peuples. Cet esprit humanitaire, affirme l'ambassadeur saoudien et le ministre burkinabé, confirme l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité entre la République de l'Arabie saoudite et le pays des hommes intègres. Un acte de solidarité et de générosité par excellence, c'est le don de sang. Une société de distribution du gaz a mobilisé son personnel pour accompagner le Centre national de transfusion sanguine dans ses efforts de collecte de sang. Ramatou Zida et Jacques Lamissa Tarpaga témoignent. Au-delà du gaz, la société de distribution de gaz, Sodigaz, distribue du sang, mais cette fois à titre gratuit. Le personnel s'engage ainsi à donner de son sang pour sauver des vies et espère récolter une cinquantaine de poches de sang au profit du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Une action qui vise à répondre aux besoins sans cesse croissants de ce liquide précieux, surtout en cette période d'hivernage. Comme Sodigaz est une société citoyenne, nous ne pouvons pas rester aussi insensibles à la demande du CNTS et qui, à travers les médias, on voit toujours qu'à l'approche de l'hivernage, c'est la période de palu, c'est la période où vraiment ils sont le besoin de sang se pose de façon vraiment très sérieuse. Et donc, nous aussi, nous avons considéré que nos consommateurs, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et donc, c'est ainsi que nous avons décidé de donner un peu de notre sang pour contribuer à sauver des vies. Des activités de ce genre ont déjà été menées par la Sodigaz. Il s'agit notamment de dons de sang et de consommables médicaux d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Le Centre national de transfusion sanguine, quant à lui, entend approcher d'autres structures afin de multiplier ses opérations de dons de sang à travers le Burkina Faso. Amadou Nebila Yaro succède à Moussa Kone à la tête du Lions Club Ouagadougou. Le nouveau président se donne pour mission de redynamiser le club et de poursuivre les actions entamées par le président sortant. Oumou Cissé et Sylvestre Dar. Un nouveau mandat, une nouvelle équipe. Au Lions Club Ouagadougou Étoile, l'heure est venue pour Moussa Kone de passer le flambeau à Amadou Nebila Yaro qui va présider au destiné du club pour les 12 mois à venir. Un mandat qu'il place sous un double signe. Mon premier objectif durant l'année 2013-2014 pour sous mon mandat, c'est de remobiliser les membres de Ouaga Étoile pour véritablement donc servir le lyonisme. Le deuxième objectif, c'est de poursuivre les œuvres sociales qui ont été engagées par mes prédécesseurs. Parce que vous savez qu'il y a des œuvres sociales qui sont engagées sur une période de 2 ou 3 ans. Et moi, mon objectif, donc, c'est de finaliser donc, ces œuvres sociales-là, tel que le programme d'activité l'a prévu, le programme d'activité triennale l'a prévu. Le Lions Club Ouagadougou Étoile a reçu sa charte en 1991. En une vingtaine d'années d'existence, ce sont plusieurs actions qui ont été menées pour les bien-être des enfants et des personnes démunies. Au cours de la soirée, des distinctions ont été décernées aux membres du bureau sortant.
À Kourougou, un club d'étudiants pour le développement durable s'installe et compte sensibiliser et former les étudiants et les élèves de la ville de Kourougou sur les questions d'environnement et de développement durable. Le bureau entend s'appuyer également sur des cellules dynamiques installées au sein des filières. Oumou Cissé et c'est Sylvestre Da. Après les universités de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, c'est au tour de celle de Kourougou de voir l'installation de son club d'étudiants pour le développement durable. Au nombre de 7, les membres du bureau exécutif auront la tâche de rassembler les étudiants de Kourougou autour des questions du développement. Tout ce qui est question de développement, bon, de nos jours, il est question de formation. Parlant de formation, on fait toujours attrait à la jeunesse qui est censée prendre la relève. Voilà, et la jeunesse étudiantine et puis nos étudiantines scolaires, je veux dire. Voilà, je pense que si les capacités sont renforcées au niveau de la formation socio-professionnelle de la jeunesse, on sera en mesure de pallier un tant soit peu la question de changement climatique et dans la perspective du développement durable. Les clubs d'étudiants pour le développement durable ont pour objectif, entre autres, de contribuer à la préservation de l'environnement, de promouvoir le civisme au sein des universités et de renforcer les capacités des étudiants. Pour cette année académique, le club de Kourougou entend surtout organiser de nombreuses sessions de formation au profit de ses membres et de l'ensemble des étudiants. Avant de nous quitter, cette information majeure qui nous vient d'Égypte, les militaires mettent en exécution leur menace. Mohamed Morsi est contraint de céder son fauteuil au président de la Cour constitutionnelle désigné chef d'État par intérim. Le chef d'état-major général de l'armée annonce qu'un gouvernement d'experts sera chargé de conduire le gouvernement. Par ailleurs, une commission sera chargée de conduire la révision de la Constitution. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, Aboubacar Sagnon sera votre compagnon pour l'édition synthèse de l'actualité.